Bon, bah, les amis, ça y est, on est parti pour le trail des terrils. Ça se passe à Rennes, donc c'est à côté de Valenciennes. Donc j'ai 5 terrils à gravir. Hein. La plupart des terrils se situent en début de parcours, comme d'habitude. Hein. On va essayer de nous tuer les cuisses, les mollets, avant de continuer sur du plat. Donc le plat, c'est de la forêt. Bon, bah, le départ, c'est à 11h du matin. Il y aura 25 km 100 à faire, donc le temps a l'air d'être pas mal. Il va faire beau, encore une fois. Donc dans le nord il fait beau, il fait toujours beau dans le nord, pour aller courir. Voilà. Donc direction Valenciennes, là il est, ouais, il est 8h40. Donc on se retrouve tout à l'heure pour l'ambiance du départ. Allez, ciao. Bon bah voilà, on est prêt, hein. On est prêt pour partir. Donc Sarah Bourla, Fiona Doc et Jade Duplat. Est-ce qu'on peut baisser un peu? Il est arrivé premier. Bon, bah, un petit échauffement dans la nature. Hein, on a franchement de très beau temps. C'est vraiment un très beau parcours, c'est dommage que ce soit vraiment plutôt assez loin de chez moi, quoi, parce que purée, je viendrai ici tous les jours. Hein. Ouais, franchement. Bon, on va rejoindre le départ. Anthony, fan de la chaîne de YouTube de Laurent, découvert sur le trail de l'IR1. Donc Laurent s'apprête à faire les 25 km de la course des terrils. Ça va être super. Voilà, et puis on va essayer d'arriver au bout. Hein. Finisher surtout. Ouais, finisher, parce que la dernière fois pour moi c'était pas terrible. Hein. Voilà, tout à fait. Allez, bon courage à tous. Allez, ciao. Au revoir. Bon courage à tous. Juste avant,
Stop François, François. Bah alors on y va. J'attire, c'est bon, allez. Il y a des escaliers là. C'est mal, hein, tu l'es. C'est sympa, celle-là. Ouais, c'est mal. Marie, lève la tête, putain. Allez, Marie. Tu vois pas. Cours un peu. Lève, Marie. Vas-y, Marie. Hein. Ouais, donne rien. Allez, la Marie. Suis. Avec un mètre. Allez, Marie. Allez, Marie. Bon, ben voilà, le premier terrier est passé. Droit dans la porte, hein. Donc... ça brûle les mollets. On va marcher un peu. Voilà, mon cardio est bon. Allez, c'est parti. Bon voilà, on est dans la forêt, on a passé les deux premiers terrils, et maintenant on est sur du sentier forestier, donc c'est de la ligne droite, donc on court, tranquille. On court tranquille et puis on pense à rien, c'est de la ligne droite. Voilà. J'ai fait la sortie juste avant, je les allumais hier, ça commence à... Allez, les allumer, je veux bien la faire l'année prochaine. Ah, franchement, c'est sympa. Ouais, bravo, les gars. Allez, super. Ouais, les mecs là-bas, ils sont avec leur joëlette, là. Tout en haut, là, ils ont grimpé, là. Ils doivent avoir une super vue, là.
Ah, les gars, c'est des warriors quand même. Il y en a qui s'amusent bien là. Bon bah ça vaut la vue quand même hein. Ouais. Bah, c'est vraiment la fin. Ouais, le champignon. Le trail du champignon. Allez, on va la descendre là ici. Ai-je bien descendu? Hein? C'est quand même le pied ça. Bon les gars, ils se la pètent avec leur moto. Hein. Mais moi j'ai des bonnes semaines. Hein. Bon ben voilà, après le quatrième terril, nous voici de nouveau dans la forêt avec nos amis les écureuils, les chevreuils et les runners. Eh oui. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous voir. Allez, un petit verre d'eau. Allez, bon, très bon ravito, hein. Après des raisins secs, pas d'épices, carré de chocolat, de l'eau. Voilà, on est prêt pour faire l'autre partie, l'autre moitié, parce qu'on est arrivé à mi-parcours. Hein. Ouais. Et tu sais ce que c'est comme champignon au moins? À mon avis, c'est ça. Sinon, c'est un bonnet. Bon, kilomètre 17, un petit coup de mou, ouais. Bon, pourtant le cardio il est bon, hein. Je suis à 156 battements par minute. 156, ça devrait normalement tenir, hein, mais je sais pas. Alors, peut-être parce que ça commence à vraiment, il commence à faire chaud et je suis peut-être déshydraté. C'est peut-être ça. Donc là, on va marcher un petit peu, on va récupérer. Ça sert à rien de forcer. Hop là. Bon bah on n'est plus qu'à 5 km de l'arrivée. Il paraît qu'il y a encore une petite montée à faire et un ravito.
qu'on va pas tarder à arriver à la dernière butte. Donc c'est pas un terril, hein, c'est une butte. Donc c'est en pleine forêt. C'est une butte pleine d'arbres, pleine de racines. Alors, on est un spécialiste des champignons là. Et en fait, si tu sais manger, tu vois, moi j'ai enlevé la cuticule. Tu vois ce que je veux dire? Et tu fais des chapeaux. Il paraît qu'il y a beaucoup de cèpes en ce moment dans la forêt, donc c'est ça. Là, sur les terrils, ils faisaient de l'ail. On a vu que celui-là. J'ai les mains tellement gonflées, on dirait des boudins blancs. Ah, tu me donnes faim. Bon, il reste plus que 200-300 mètres à faire. Premier champignon trailer. Donc, la chaussure. Hein, donc voilà, tout va bien. C'est des petites affaires qui se passent. Tout enfant qui a été ramené. Non, c'est fini. On peut faire la consigne à bandeau d'enfant. Non, attends. C'est vraiment. Voilà, 3h23, mais bon, j'ai pas arrêté mon chrono. Ouais, c'est vraiment le fin de journée. On va dire 3h20. Allez, 3h20. C'est honnête. 5 périls. 5 périls. De la forêt. Ouais, bien. Ouais, franchement, j'adore cette course. La course des terrils, c'est vraiment une très bonne course. C'est fini. Comme d'habitude et comme chaque année, c'était une super course, super ambiance. Il fait beau dans le Nord-Pas-de-Calais, du soleil. Franchement, la course des terrils, c'est une de mes préférées. Allez, tchuss, à bientôt.